Bonjour à tout le monde. Nous revoilà. Nous sommes en Maine-et-Loire. Alors, il y a un château qui se situe pas très loin à côté de. C'est quoi cette petite indépendance? On n'a plus de mots. C'est tout simplement une chapelle. Alors, un peu d'histoire. J'ai pas beaucoup lu l'histoire, voilà. Donc du coup, cette chapelle qui date, je sais plus de quelle année. Il y a toute une famille qui a été mise dans des cercueils. Donc il y a trois, quatre marquises. Je pense qu'ils sont 9 personnes. Normalement, il y a 9, exactement 9 cercueils à cet endroit-là. Donc, on va visiter. Juste à côté, il y a le château que lui, par contre, est devenu un style hôtel pour les mariages et tout ça. Voilà. Donc, on accède facilement. Pardon? Il y avait deux biches devant de nous. Des biches? Ouais, deux biches. Ok. Ouais. Allez. Donc on va accéder à la chapelle. Passer un bon moment comme nous. Allez, c'est parti. Allez. Une forte odeur là. Donc on voit bien qu'elle a bien été. Elle est bien dégradée. Allez, on va avancer. Ah, comme je vous ai dit, hop, vous voyez bien à travers des arbres là, un peu plus loin, je vais essayer de zoomer. Voilà, on voit le château, je sais pas si vous voyez. Voilà, on peut se mettre là parce qu'il y a des arbres. Voilà, on voit un peu le château là, comme ça. Voilà. Donc le château est juste à côté. Alors, cette chapelle, elle fait partie, en fait, vous allez peut-être pas le voir d'ici, ou peut-être un petit peu, on le verra peut-être un peu mieux tout à l'heure. Et en fait, la chapelle, du coup, fait partie du château. Donc on voit bien qu'elle est bien abîmée. Pourquoi il y a du plastique, je sais pas. Elle a énormément de portes d'entrée. Ah, là on voit bien le château, on ira se rapprocher un peu plus. Voilà. Là on commence à faire le tour. On voit bien aussi là, c'est abîmée, elle est très jolie cette petite chapelle. On va faire le tour, on voit bien qu'elle est en très mauvais état. La structure elle-même n'a pas bougé, mais le vitrage et tout ça est complètement très abîmé. Il y a un gros trou aussi, c'est pareil. Voilà. Hop. On en voit bien. Tout ça, c'est vitrage. Tout est abîmé. On voit bien, il y a un grand mur. Je crois que ce mur du fond appartient au château. Voilà. Là, c'était bouché.
Ils essayent de protéger, enfin sachant que c'est pas protégé. C'est pas du tout protégé. Hein. On a accès à des portes ouvertes. Voilà, je vais le tourner, on voit bien là. Hop. Ouais, c'est dans un état. Non mais c'est hallucinant quoi, hallucinant. On va mettre. Allez. On va y rentrer. Alors quand on rentre dedans, c'est une chapelle normale. Et il y a un souterrain où se trouvent les cercueils de trois marquises. Exactement, il y a 9 membres de la même famille qui sont que leur corps repose. Donc, on continue. Bon, alors on voit bien qu'il y a un étage. Voilà. On voit bien que c'est en train de se dégrader. Mais il n'y a aucun moyen d'accident, ça ne risque rien. On a les vitraux, on voit bien que, comme j'ai montré à l'extérieur, ils ont été complètement mitraillés par des gens. Voilà. Donc c'est l'humidité qui est vraiment... Oups. On voit bien l'état. Hop. Je sens que le sol est très mou sous mes pieds. Ah, c'est chouette. L'étoile d'araignée, lol. Là, si on monte à l'étage, on aura accès à ceci. Voilà. C'est pour ça, c'est pas profond. Quand même, hein. Ouais, peut-être à la fin, quoi. Mais... C'est ce que j'ai vu dans mes recherches, le marquis. Donc là, vous voyez en fait tout ce qui est inscrit dans la chapelle. Il s'agit des marquis qui vivaient en fait dans le château à côté. Et en fait, d'après ce qu'on sait, il y a la crypte en dessous qui abriterait du coup tous les prénoms qu'on voit ici. Voilà. L'hôtel est chouette. Voilà, d'ici peut-être 20 ans, tout va s'écrouler, mais ça reste dangereux quand même. Ah, je sais pas ce que c'est.
c'est là, c'est pareil. Là, ça tombe vraiment, vraiment en ruine. C'est bien dommage. Donc, on va aller au sous-sol où se trouvent les. Se trouvent les cercueils. On voit un peu un cercueil ici, je ne sais pas si vous voyez. Ah. Un autre ici. Ils sont juste posés sur des sortes de bras de table, je ne sais pas trop. Logiquement, il y en a 9. On n'a pas accès, parce que les échelles ont été retirées. Donc, on est un peu déçus. Voilà, oui. Bon bah donc on n'a pas du tout accès. J'ai zoomé, j'ai pris quelques photos. C'est même pas la peine, 3 mètres, il n'y a plus d'échelle. Donc, on est un peu saoulé, quoi. Voilà, on a fait de la route, on n'habite pas à côté, on a fait plus de 2 heures de route. Bon, bah. Donc, voilà, on a un peu mal au cœur de ne pas continuer notre visite et vous faire partager ce magnifique endroit, cette histoire d'où qu'il y a toute une famille dans les cercueils en bas de 3 mètres de profondeur. C'est pas rien. Donc, on va continuer les investigations. De toute manière, on ne s'arrête pas là. On reviendra. Donc, voilà, voilà. C'est très joli, très joli. Voilà. Donc, je suis toujours avec Domi, avec ma fille Mel. Voilà. Je me rappelle qu'il est en train de prendre des photos alors. J'entends, c'est un gros sac. Hein ? J'ai pas le temps. Donc, on sort de ce magnifique. Regardez-moi tous ces fresques. Il est magnifique. J'adore. Je suis une malade de tout ce qui est abbaye, tout ça. L'architecture elle-même est d'une beauté. Le vitrage, c'est bien dommage. Voilà, l'histoire reste ici. L'humidité s'infiltre, comme vous voyez. Voilà. Donc, on retournera. Hop, on s'approche de là. Les cercueils sont là-bas. Comme je disais donc. Donc, on reviendra. Chaud. Des vieux bancs. Par contre, les bancs, je ne sais pas en quoi ils sont faits. En chêne. Bah, le chêne, franchement, il est immortel, le chêne. C'est vrai, hein ? Il est dans un putain d'état. Il est. Ils sont beaux, les bancs. Oui, les bancs, ouais, ouais. L'escalier. On va essayer d'y accéder à l'escalier quand même. Bah non, il n'était pas bien gros le curé. Hein. C'est clair. C'est pareil, c'est... Oh là. C'est normal, c'est du bois, mais on voit bien qu'il est, il est sec encore. Ouais, ouais, à fond, mais il est bon. Bon, du coup, on a arrêté complètement la visite. On n'a pas d'accès. Voilà, la structure derrière moi, elle est super belle. C'est dommage, c'est vraiment dommage. Donc, est-ce qu'on va revenir ? Nous l'espérons. Nous demandons à personne de venir dans ces lieux. Hein. On n'a pas trop caché l'endroit où c'était. Le parterre est, comme je vous ai dit, quand vous verrez sur mes vidéos, les parterres sont très abîmés avec l'humidité, ça forme des champignons et tout ça, donc faut faire attention. Hein, pas tomber, parce qu'il y a un bon 3 mètres. Et puis voilà. Donc c'était super sympa. On a quand même passé un bon moment, on a fait une bonne route, voilà. Et
Bah, tout ça, c'est bien dommage. On est déçu de pas, bah, n'a pas été voir au sous-sol, bah, tous ces marquises, une duchesse, une princesse, une famille de 9 personnes et 2 ados qui sont décédés, quoi, voilà. Je vous montrer un avancement du château, voilà. En accès à la chapelle, au château, nada. Voilà, défense y pénétrer. Donc, voilà. Le château fut construit en 1845 par l'architecte Liberge à la demande du marquis, propriétaire du lieu. Il mourra en 1849, soit 3 ans après la fin de la construction du château. La chapelle y sera édifiée à cette même date. Repris par son fils, il perdra coup sur coup son épouse, ainsi que sa fille unique, en 1874. Il mourra 10 ans plus tard, en 1884. Le château fut racheté pour en faire un hôtel-restaurant. Aujourd'hui, la chapelle reste abandonnée, mais la famille de Marquis repose en paix dans ce lieu incroyable.